n'ai jamais eu beaucoup de chance dans ma vie. Un père alcoolique, une mère schizophrénique, un grand frère tyrannique. Mon père me battait, ma mère riait pour n'importe quoi et se foutait de ma tronche à longueur de temps. Elle avait la phobie de mes cheveux et toujours une paire de ciseaux à portée de main. Mon frère, lui, cherchait constamment à me faire peur dans le noir, dès que j'avais le dos tourné, quand je dormais. Et puis, dès qu'il en avait l'occasion, il me cognait avec ses gros muscles mous. Avec ses poings, mon père caressait aussi doucement mon visage qu'un pokeball. Avec ses pieds, il se servait délicatement de ma tête comme d'un ballon de football. Ma mère me grattait souvent le crâne avec ses ongles pointus, au vernis rouge. Un jour, j'ai dit à mon père qu'il buvait trop. J'ai failli mourir d'un coma éthylique, car ce salaud avait coincé un goulot dans ma gorge et y avait déversé son litre de whisky quotidien. Un jour, j'ai eu le malheur de refuser que ma mère me coupe les 5 mm de cheveux qui avaient poussé sur ma tête pendant son internement psychiatrique. Elle me les a arrachés avec les dents. Un jour, j'ai refusé de jouer avec mon frère. Il m'a forcé à jouer aux osselets, avec mes doigts. Et forcément, tout ça, ça laisse des traces, des séquelles. Enfin, au début, je croyais que non. Je croyais m'en être sorti, car après mon diplôme, j'ai eu l'idée de monter une agence de voyage à prix discount. Je dois avouer qu'après un début difficile, les affaires ont décollé. Jusqu'à ce que je rencontre ma petite amie, Stéphanie. Corps sculptural, intelligence aiguisée, amour fusionnel. On ne faisait jamais rien sans l'autre. Elle adorait les voyages, et pour les vacances, parfois pour un seul week-end, on s'envoyait en l'air aux quatre coins du monde. Le seul truc qui me dérangeait chez elle, c'était sa foutue manie d'aller en boîte. Je n'aimais pas les boîtes, je n'ai jamais aimé ça. J'ai fini par la laisser y aller seule. Elle s'est mise à rentrer à des heures impossibles, sous en plus, avec des drôles d'odeurs sur elle, des odeurs de mal. Et à chaque fois que je lui faisais des remontrances, elle riait comme une petite sotte. Ça a fini par m'énerver. Je crois qu'elle a pris pour toutes les saloperies que m'a fait endurer ma putain de famille. Après un énième sourire idiot, j'ai regroupé toutes ses passions en une seule et je l'ai envoyé dans une boîte à l'autre bout du monde. Il s'est passé quelques mois avant que je retombe amoureux. Entre temps, je suis allé consulter un psy et je me suis fait prescrire de puissants somnifères pour arrêter les cauchemars et les hallucinations. Je voyais ma mère, mon père, mon frère, partout. C'était horrible de revoir leur corps calciné. Heureusement que ce jour-là, je dormais à l'université. Je n'ai pas été accusé. Je me demande encore qui a bien pu mettre le feu à leur baraque de merde. Je suis resté un peu moins longtemps avec ma nouvelle petite amie. 6 mois, je crois. Je l'ai aussi rencontrée à mon agence de voyage. Comme dans toutes les histoires d'amour, au début, ça se passait bien. Mais elle s'est mise à devenir étrange. Elle s'inventait toutes sortes de manies, comme se laisser pousser les ongles des mains, des pieds, et les vernir en rouge. Je n'aime pas le rouge. Elle se maquillait trop aussi. On aurait dit une prostituée. Et puis, toutes les semaines, elle allait chez le coiffeur. Je déteste les coiffeurs. En plus, quand elle revenait de ses arracheurs de cheveux, elle riait comme une idiote. Oui, une véritable idiote. Ça a fini par m'énerver. Par vraiment m'énerver. Je l'ai bâillonnée et je l'ai mise dans une grande boîte. Dans une revue, j'avais lu qu'on pouvait mourir de rire en badigeonnant les pieds de quelqu'un et en les faisant se faire lécher par une chèvre. Je me voyais mal acheter une chèvre. Mais il y avait des nuées de fourmis rouges dans ma cave. Je ne me rappelle plus combien de temps elle a hurlé. Mais j'ai trouvé ça long. Trop long. Et j'avais peur que les voisins l'entendent. Même si la plus proche des maisons est à 300 mètres de la mienne. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai étranglée en pensant à ma mère. Mais les fourmis l'avaient déjà bien bouffée au niveau du cou. Et sa tête m'est restée dans les mains. J'ai aussitôt pensé à mon père et j'ai shooté dedans comme dans un ballon de football. But. Puis je l'ai tellement frappé avec mes poings qu'à la fin il n'y avait plus qu'une bouillie de cervelle et de cheveux mélangés à la terre battue de la cave. Pour me relaxer, j'ai joué aux osselets. Avec ses doigts. C'est drôle, j'y ai pris un plaisir monstrueux. Je suis en train de choisir leur destination. J'ai fait plusieurs boîtes, car j'entendais encore le rire de ma mère à l'intérieur de ce corps sans tête. Et j'ai fini par le découper. Ah, j'hésite toujours. Bornéo pour son dos, Cuba pour son cul, la Suisse pour ses cuisses. Ça devrait encore passer. J'ai beaucoup de relations dans les douanes, et d'amis de l'Est qui vont m'acheter les organes. Pour faire disparaître les traces génétiques, je dois encore contacter mon ami d'enfance. Didier, un pompier. Il est vraiment bon pour faire croire qu'un incendie est accidentel. J'ai hâte que tout soit fini. J'ai hâte de retourner à l'agence. En plus, je crois que j'ai le ticket avec une belle petite gonzesse. Célibataire en plus. Une certaine Stéphanie Duval. Elle a le même prénom qu'elle. Mais je crois que cette fois, je vais réussir à garder mon calme. Enfin, si elle rit un peu trop, je ne lui arracherai qu'une dent. Ça la calmera, et elle comprendra que je n'aime pas qu'on se moque de moi. J'ai arrêté de voir le psy.
Mais comme il me l'a conseillé, je continue à écrire mon journal. Ça m'aide. Ça m'aide vraiment à extraire mon sale passé de mon âme. Comme le psy me l'a souvent répété, je ne suis responsable de rien. Enfin, je crois.